Avec ce cadenas, bien malin qui pourra accéder au cabanon. À chaque fois qu'une de ces petites canailles met le pied dans ce cabanon de malheur, c'est systématique. Il arrive quelque chose de mauvais. J'ai averti les voisins de faire attention. Mais est-ce qu'on m'écoute? Tocard, ce vieux fou, il voit le mal partout. Fripépouille, des voleurs, allons donc. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Des fripouilles, oui. En tout cas, moi, ils ne mourront pas avec leur sourire et leur belle façon. Avec moi, pas de pardon, pas de rémission. Ils ont tout intérêt à filer doux. Bonjour, monsieur Tocard. Au revoir, monsieur Tocard. C'est ça. Profites-en bien. C'est ta dernière visite au cabanon sans permission autorisée. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon sang, bon sang, c'est pas possible. Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé, Flick. Il se passe quelque chose de pas catholique ici. J'ai dû surprendre les préparatifs pour quelques mauvais coups. Je m'en vais te condamner, cette porte, une fois pour toutes. C'est parfait comme ça. Oh là là! Mais enfin, Pouille! Ce n'est pas ça du tout que je t'ai demandé! Oui, mais si on veut faire une petite trompette après le pique-nique, hein? Pouille, ne sois pas de mauvaise foi! Tu t'es trompé, mais c'est pas grave! Il n'y a qu'à retourner chercher le parasol et le panier! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est curieux, ça, c'est un empêcheur d'ouvrir la porte. Mais en voilà de drôles d'idées. Pourquoi empêcher les portes de s'ouvrir? Ça, je sais pas, Fripp. Ben, y a qu'à l'enlever, hein. Bon, enlevons-le. Empêcheur d'ouvrir la porte. Enleveur d'empêcheur d'ouvrir la porte. Empêcheur d'ouvrir la porte, enlevé. Voilà. Tu sais, un jour, mon petit Pouille, il va falloir faire un sérieux ménage dans ce cabanon. Oui, on va finir par s'y perdre. Oh, moi, je le trouve très bien comme il est, ce cabanon. Paresseux. Je ne suis pas paresseux. Je suis malade. Non. Je suis allergique à la poussière. Ouais. C'est très différent, Fripp. Je ne suis pas paresseux, je suis malade. Eh bien, on les connaît, tes maladies, hein. Allez, on va se préparer des tas de brochettes pour notre super pique-nique. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Pas moyen d'écouter la télé en paix. Mon cadenas. Et
Ils ont démoli mon cadenas incassable. Ah! Non seulement ça n'a aucun respect de l'autorité, mais en plus, ça n'a aucun respect de la propriété. Oh! Ah, mais c'est du joli, ça! Laissez tout traîner comme ça, même le sol. Et s'il venait des visiteurs, hein? De quoi aurions-nous l'air? Il faut que je fasse tout ici. Alors, je vous le dis, du temps de la Dubalay, on ne supportait pas ces écarts de conduite. C'est qu'elle avait de la poigne, madame la concierge. Ah. Ah. Oui. Ah. Ah, je vous jure. Allez, comme ça. Comme ça, on aura la paix une fois pour toutes. Journée idéale pour faire un pique-nique. Où sont passés le hamac et le parasol? Oh, je les ai mis là. Je te jure, Fripp, je les avais laissés là. Mais enfin, puis si tu les avais laissés ici, ils y seraient encore, non? Oh, mais non, quelqu'un a dû les emprunter pour un autre pique-nique. Je t'assure, Fripp. Je les avais laissés là, Fripp! Oui, on peut vraiment rien te confier. Bon, je vais retourner prendre le hamac et le parasol. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais tu as vu ça, Pouille, sur la porte du cabanon? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est curieux, ça! On dirait un nouvel empêcheur d'ouvrir la porte. Tu sais quoi, mon petit Pouille? Viens. Je commence à penser que quelqu'un ne veut pas que nous entrions dans le cabanon. Hein? Pourquoi? Avec ça, cette porte sera solide comme le roc. Allez. Bonjour, monsieur Tocard. Bonjour. Figurez-vous que j'avais laissé le hamac et le parasol ici, qui se sont retrouvés tous les deux dans le cabanon. C'est fou, hein? Quelqu'un les a rangés. Monsieur Tocard! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Tocard? Mais enfin, puis qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, mais rien, Fripp. Je t'assure, hein? Rien du tout. Monsieur Tocard! Monsieur Tocard! Monsieur Tocard! Réveillez-vous, c'est nous! C'est qu'il a l'air complètement dans les ananas. Dans les pommes, pas dans les ananas. Mais pourquoi pas dans les ananas? Parce que ça ne se dit pas. Moi, je trouve que ça se dit très mais bien. Mais non, ça ne se dit pas du tout. Mais si. Ah, mais non. Mais si. Ah, mais non. Mais si, mais non. Mais il n'y a qu'à lui demander. Excusez-nous, mais Fripp et moi avons un petit différent et on aimerait bien avoir votre opinion puisque vous êtes directement concernés. Est-ce que vous diriez que vous êtes dans les pommes là ou dans les ananas? Mais tu souffles la réponse. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que je vous ai soufflé quelques réponses que ce soit concernant les ananas? Mais Pouille, tu ressouffles la réponse. Le voilà reparti dans les ananas. Dans les pommes. Ananas. Pommes. Ananas. Pommes. Oh, que se passe-t-il? Mais c'est que vous avez, comme qui dirait, perdu la carte. Non, et laissez-moi tranquille. Je me sens parfaitement bien.
Ils le font exprès. Je le sais, ils le font exprès. Cette fois-ci, ce sera la bonne. J'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'il fait, Fripp? Je sais pas. Vous faites des améliorations locatives? Je condamne la porte du cabanon. Ah bon? Mais c'est donc vous qui avez mis tous ces empêcheurs d'ouvrir la porte. On se demandait, nous. Mais pourquoi vous la condamnez, la porte du cabanon, monsieur Ne Locke? Jouez pas les innocents. Je vois clair dans vos manigances. Mais non, mais c'est que nous avons encore deux ou trois choses à aller chercher dans le cabanon. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas y aller avant que vous ne le condamniez pour de bon? Ce n'est pas encore une de vos bouffonneries pour me tourner en bourrique. Mais non, pas du tout. Nous allons chercher des choses et nous revenons tout de suite après. Et même qu'on va fermer la porte derrière nous, n'est-ce pas, Pouille? Oh, absolument, hein? Oui. On va faire ça très, 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 très vite. S'il vous plaît. Je les ai peut-être jugés un peu trop sévèrement. Bon. Si je vous laisse aller chercher vos choses, vous me promettez de ne plus jamais forcer la porte du cabanon. Juré! Bon. Et vous allez me demander la permission chaque fois que vous voudrez aller chercher quelque chose. Juré! Sur la tête de Pouille. Allez-y. Merci, monsieur Tocard. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que je vais regretter ce geste. Allez, faites vite, je n'ai pas que ça à faire, moi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Je n'aurais jamais dû les laisser aller seuls. Moi et mon grand cœur. Je vais aller te me les chercher par la peau du cou. Fripp! Pouille! C'est moi! C'est Monsieur Tocard! Bon. Oh, ce qu'il fait noir là-dedans! Oh! Mais Monsieur Tocard n'est plus là! Bon. Hein? Eh bien, on va faire comme on a promis. On va fermer la porte à clé. Une promesse, c'est une promesse! Oui. Voilà. Comme ça? Il n'y a plus de danger qu'il arrive quelque chose. Non. Monsieur Tocard va être fier de nous, Fripp. Oh, il n'y a vraiment rien de tel comme les brochettes sur le barbecue. Laissez-moi sortir d'ici. On aurait peut-être dû inviter Monsieur Tocard à notre petit pique-nique. Il est toujours tout seul. On dirait qu'il n'a pas d'amis. C'est vrai, ça. D'autant plus que je crois qu'il nous aime bien. Oui. Laissez-moi sortir, je vous attrape. Petit voyou, laissez-moi sortir d'ici, frère. Tu entends quelque chose, Fripp? Moi, non, je n'entends rien. Pourquoi? J'avais cru quelqu'un qui m'appelait, là, je sais pas. Oh, non, tu rêves. En tout cas, maintenant qu'il est condamné, ce cabanon, on n'aura plus besoin d'y faire le ménage. Thank you.